certains Gabonais reprochent au président Ali Bongo de garder une certaine distance avec l'opinion nationale depuis son retour au Gabon après sa convalescence au Maroc, suite à un accident vasculaire cérébral en octobre 2018. L'opposition et la société civile s'interrogent également sur l'absence du président gabonais à des réunions continentales. Les médias publics relaient régulièrement les audiences accordées par le président Ali Bongo au palais présidentiel. Des vidéos dans lesquelles il apparaît souriant sont aussi diffusées sur les réseaux sociaux, sans toutefois rassurer tous les Gabonais. Pour Ali Bongo Ondimba, il faut en finir avec la corruption. Joël Gouenoni Nzengouma, président des 7 Massampoi, un parti politique membre de la coalition de la Nouvelle République dont Jean Ping est à la tête, demande des clarifications, sinon, que la vacance du pouvoir soit constatée. Le Premier ministre Julien Nkok-Bekal a déclaré qu'il n'y aura pas de déclaration de vacance du pouvoir au Gabon. L'opposition et quelques organisations de la société civile gabonaise ont demandé en vain un examen médical indépendant du président Bongo. Certains de ses compatriotes continuent de s'interroger sur ses capacités à assumer ses fonctions.